Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo où je vais vous présenter trois recettes. Trois recettes qui seront vraiment très rapides à faire, très faciles à faire et qu'on va faire cuire avec la friteuse à air. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et je me suis dit bah, pourquoi pas vous présenter trois petites recettes très simples, très faciles et qui sont aussi délicieuses à faire avec la friteuse à air. Vous savez, c'est une friteuse sans huile où vous mettez vraiment très peu d'huile ou pas du tout d'ailleurs. J'espère que ces petites recettes vont vous plaire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous les avez faites ou pas. Et c'est parti, on y va. Pour cette première recette, je vous propose de faire des crèmes aux œufs à l'air fryer directement. Alors, vous aurez besoin de plusieurs ingrédients, 3 ou 4, ça dépend. Moi, j'en ai besoin de 3 parce que je vais utiliser directement mon sucre vanillé. Vous savez que je fais mon sucre vanillé maison, là, je mets toutes mes petites gousses de vanille ici dans ce bocal. Je vais avoir besoin de 40 g de sucre. Alors, j'ai sorti mon Thermomix parce que je vais mesurer également un demi-litre de lait à l'intérieur. Et on aura besoin également de 3 œufs. Alors ça va être très facile, on va tout mettre ensemble et on va tout mélanger tout simplement. Alors tout d'abord, on va préchauffer la friteuse. Donc on va la préchauffer. Moi j'anticipe, donc tout à l'heure la première cuisson, ça se fera à 160 degrés pendant 6 minutes. Donc je vais programmer ça. Et je vais mettre en préchauffage, je vais mettre l'autre côté aussi puisque j'ai deux bacs. Donc ça va me faire les deux bacs, mais bon, enfin, si vous avez votre friteuse. Voilà, mais en fait, donc vous préchauffez directement votre friteuse. Ok, c'est bon, moi, allez, c'est parti, j'ai 4 minutes de préchauffage. Maintenant, je vais passer ça au Thermomix. C'est tout mélangé. Maintenant, on va mettre directement dans les ramequins. Voilà ce que ça m'a donné. Maintenant, je vais mettre directement dans la friteuse. Dans un premier temps, je fais chauffer 6 minutes à 160 degrés. Et ensuite, on va augmenter la température à 180 degrés pendant encore 6 minutes supplémentaires. La première vient de finir, la deuxième va bientôt terminer. On va remettre 6 minutes supplémentaires à 180 degrés. Maintenant, plus qu'à laisser refroidir. Donc ça, c'est la première tournée. Et voilà la deuxième. Maintenant, il faut que ça refroidisse. Et ensuite, il faut les mettre au frigo quelques heures avant de déguster. Alors vous voyez, ça s'affaisse ensuite. Hein, complètement. Mais en fait, je suis en train de calculer que là, c'est la première fois que je l'ai fait dans ceux-là de petits pots. C'est des pots la fermière. Ben, franchement, c'est mieux maintenant. Je les ferai toujours là-dedans. C'est vrai que l'autre c'est un peu moins esthétique, hein. Vous voyez ça s'affaisse parce que ça augmente très fort, donc il faut pas trop les remplir, mais finalement c'est peut-être mieux dans ceux-là de peau. La prochaine fois j'en ai plein d'autres, je les avais tous gardés, je pense que je vais les faire directement dans les pots comme ça, des pots à yaourt. Je viens de préparer ma pâte sucrée qui est vraiment nickel. Elle est vraiment parfaite. Donc c'est juste un peu de farine, de beurre, comme une pâte brisée en fait, sauf que j'ai rajouté un peu de sucre dedans. Et voilà, donc là j'en ai pas énormément, mais je vais pouvoir faire une boule et m'en servir directement. J'ai ma pâte qui est ici, bien sûr j'en ai beaucoup. Hein. J'ai une pomme qui est là, j'ai une autre pomme au cas où. Ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher ma pomme, la vider bien sûr, la couper en petits morceaux, la mettre sur du papier directement avec un petit peu de sirop d'agave. Je vais tout mélanger, vous allez voir. Et ensuite, on va recouvrir comme si c'était une tourte en fait.
avec un peu de pâte brisée, enfin de pâte sucrée. Et ensuite, on va faire cuire directement dans la friteuse à air 15 minutes à 180 degrés. Je vais préchauffer ma friteuse à air. Les pommes sont coupées en morceaux. Je suis allée chercher, en fait là-dedans j'ai des gousses de vanille avec du sirop d'agave. Donc je vais en mettre un petit peu à l'intérieur. Je vais en mettre deux, je pense, de cuillère à café. Voilà. Après, à ce niveau-là, si on veut, on peut mettre aussi des fruits secs dessus. Hein. On peut mettre des amandes hachées, on peut mettre des pistaches hachées, des petits morceaux de noisettes. Voilà, ce qu'on a. Moi, je vais laisser comme ça, nature, juste avec le sirop d'agave parfumé à la vanille. Comme ça, à l'intérieur, j'ai deux papiers comme ça. Et on va les mettre à l'intérieur. Et ensuite, on va mettre la pâte juste par-dessus. Je vais prendre la tartelette pour me faire le patron, en fait. Ensuite, je le mets par-dessus. Donc, je fais un peu comme je peux. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose aussi de parfait parce que, voilà, je ne fais jamais quelque chose de parfait. Ce sera quand même très, très bon. Voilà, on fait comme des petites papillotes. On enveloppe directement les pommes à l'intérieur. Après, si vous prenez une pâte sablée toute faite par exemple, ou une pâte brisée toute faite ou feuilletée, évidemment ce sera plus simple hein, parce que ça se tiendra mieux, je pense, que moi, la mienne, j'ai mis beaucoup de beurre dedans. Voilà. En fait, il faut pas le faire trop fin, peut-être que les premières je les avais faites trop fines. Je vais faire pareil avec l'autre. Ça fait un peu l'effet d'aumônière. Maintenant, ce que je vais juste faire, c'est passer un jaune d'œuf dessus. Maintenant, on enfourne 15 minutes à 180. C'est terminé, ça vient de sonner. Je vais vous montrer les, j'allais dire tartelettes, mais pas du tout. C'est pas vraiment des tartelettes, je sais pas trop comment appeler. Hein. Petit dessert, des petites aumônières, et encore c'est même pas des aumônières parce que c'est pas fermé non plus. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire c'est les faire refroidir. Refroidir tranquillement, comme ça. J'ai même envie autant de les laisser directement dedans. Je vous montrerai ça plus tard. Là je viens juste de les sortir, hein. C'est encore chaud. Juste, je voulais vous les montrer d'un peu plus près. Ça, ça ressemble pas à grand chose hein, en fait. Là, j'en ai trois. De l'autre côté, j'en ai deux. Mais alors, mais ça sent. Oh, ça sent hyper bon. Et franchement, pour un petit dessert comme ça, vite fait, ou un petit goûter, juste avec une pomme et un peu de pâte et un peu de sucre, c'est trop bien. Je trouve ça top. Et maintenant, vous faire une recette. Vous allez voir, c'est délicieux, hyper simple à faire. Franchement, trop trop simple à faire. Et c'est très très bon. Alors peut-être que le visuel n'est pas à la hauteur. Je vous préviens d'avance parce que voilà, c'est juste une recette de muffins. Mais ce sont des muffins tellement délicieux. Cléo fait, elle m'en demande à chaque fois. Ça fait au moins, je sais pas, la troisième ou quatrième fois que j'en fais en une semaine. Et je me suis dit que j'allais vous montrer en vidéo cette recette parce qu'elle est très simple. Moi je l'ai fait dans ces tout petits moules ici, qui sont des moules que j'ai achetés chez Lidl. Alors en fait ils sont vendus par 12. J'en avais acheté un paquet
Et voilà, mais ils sont petits, hein. Ce sont des petits muffins. Mais donc du coup j'en ai acheté 12. J'ai testé, ils sont très bien. Et je suis retournée après ensuite chez Lidl pour en reprendre d'autres. La fois d'après j'en ai repris encore 12. Parce que moi je les fais dans ma friteuse à air. Ensuite vous pouvez très bien les faire dans le four bien sûr. Mais pour moi c'était bien pratique dans la friteuse à air. Donc bah, c'est parti, écoutez, ça va faire une petite recette. Je vais vous montrer la recette de muffins. Et c'est parfait, je vous dis, pour le goûter, pour un petit tanka comme ça. On peut les faire avec plein de goûts différents. Moi, je les fais nature ou au chocolat, donc avec un tout petit bout de chocolat à l'intérieur. Et c'est délicieux. Allez, on y va. Pour faire les muffins, je vais avoir besoin ici de 200 g de farine. Alors, j'ai mis 200 g de farine et j'ai mis également la moitié d'un sachet de levure chimique à l'intérieur. Ici, j'ai pris du sucre. Alors, j'ai mis 50 g de sucre, mais en fait, c'est, vous savez, c'est mon sucre vanillé que je garde depuis je ne sais pas combien de temps là. Et je me fais mon sucre vanillé maison. Donc, c'est que du sucre vanillé. J'en ai mis 50 g. Je vais avoir besoin également d'une pincée de sel. Je vais avoir aussi besoin de lait. Donc là, j'ai 200 ml de lait. Et à l'intérieur, j'ai déjà mis le beurre. J'ai 50 g de beurre ici aussi. On n'a pas besoin d'œufs pour cette recette, donc c'est vraiment une recette sympa, même quand vous n'avez plus d'œufs en fait. Et là, j'ai déjà préparé mes petits moules à muffins et j'ai sorti ma friteuse à air puisque je vais faire cuire les muffins à l'intérieur avec la fonction bake, c'est-à-dire cuisson au four. Après, évidemment, vous pouvez les faire dans votre four. Ce sera peut-être légèrement plus long, je pense. Enfin, je sais pas trop. En fait, il faut tester. Moi, j'ai fait que à la friteuse à air pour le moment. Je l'ai fait plusieurs fois cette recette. Et c'est vraiment très facile et délicieux. Alors, dans un premier temps, je vais faire fondre au micro-ondes le lait avec le beurre. Je vais mélanger les deux, le reste en fait, tout ce qui est sec, c'est-à-dire le sel, la farine, le sucre vanillé et la levure. Maintenant, je vais faire fondre ça au micro-ondes et ensuite on versera tout à l'intérieur. Je vais programmer la friteuse. Ah oui, si vous faites à la friteuse à air par rapport à un four. Donc si vous faites comme moi à la friteuse, moi à l'intérieur j'ai enlevé le panier, enfin pas le panier mais la grille pour croustiller. J'ai enlevé la grille ici et ici. Je vais programmer sur bake. Donc bake c'est le four. On va mettre à 180 degrés. On va mettre le temps 11 minutes. Je vais préchauffer donc ici et je vais mettre la même chose de ce côté. Et voilà, maintenant ça me préchauffe les deux. Il y a 5 minutes de préchauffage. Pendant que ça préchauffe, je vais couper quelques petits bouts de chocolat. Pas des gros bouts, hein. Vraiment des petits bouts de chocolat. Histoire d'en faire quelques-uns avec du chocolat dedans. Le lait et le beurre ont fondu dans le micro-ondes. Je vais pouvoir mélanger tout ça. Alors moi j'aime bien faire petit à petit. Maintenant on va en mettre dans des empreintes là ici. Moi je vais prendre mes petits moules à muffins. Je vais choisir les couleurs pour mettre du chocolat à l'intérieur. Peut-être le jaune et le vert du coup. Pour la cuisson.
il y a la cuisson vient de finir. Donc là je les pose sur la grille, mais j'aurais très bien pu les mettre directement hein, sur le granit en fait, pour qu'elles refroidissent, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude de mettre sur la grille, mais en fait ça sert à rien vu que j'ai toujours le moule en silicone, mais je vais pas l'enlever d'ailleurs, parce que sinon on saura plus lesquels c'est. Donc je vais juste les faire refroidir comme ça. Ce sont des petits gâteaux extra moelleux, vraiment. Un petit muffin super super moelleux. Et bon, après l'aspect, comme je vous disais, hein, il y en a certains qui sont un peu bombés. D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait pour qu'ils soient réguliers. Si jamais vous le savez, dites-le moi. Personnellement, moi je m'en fiche hein, s'ils sont réguliers ou pas réguliers. Je pourrais très bien mettre un petit peu de sucre glace aussi par-dessus pour cacher, on va dire, la misère, pour qu'il soit un petit peu plus appétissant. Mais moi j'ai pas envie de rajouter encore du sucre par dessus. Je le trouve très mignon comme ça, et surtout ils sont hyper bons. Donc là je vais les laisser poser quand même un bon moment, et ensuite ben, les enfants ils en mangeront pour le goûter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine, bye!